Sur notre élevage d'engraissement de bovins, on avait surtout une grosse problématique d'épandage de fumier, parce que Vallée de l'Isle, donc Saint-Estier, c'est une zone plus ou moins périurbaine. Épandre des fumiers dans des zones où, entre les maisons, enfin, avec du voisinage assez proche, c'est toujours une problématique. Se poser réellement la question des épandages de fumier, des nuisances, des rapports avec les populations environnantes, c'était un réel problème. Et ensuite, la deuxième problématique qu'on a découvert donc, au niveau, au travers de la méthanisation, c'est que finalement, on avait des gros besoins de paille et les céréaliers qui nous fournissaient la paille étaient de plus en plus réticents à exporter des matières organiques au travers de ces pailles qu'ils nous donnaient, qui étaient indispensables pour notre élevage. En ayant fait un petit peu le tour de l'environnement, on s'est rendu compte que les solutions qu'on pouvait apporter sur notre élevage pouvaient également être des solutions à d'autres agriculteurs, d'une part, et notamment un éleveur de canards, un gaveur de canards. Donc il y avait une problématique également d'épandage de lisier avec des problèmes d'odeur, et également solutionner des problèmes sur des industriels, et notamment Picandine, donc ils ont des excédents de lactosérum par moment, et lequel lactosérum on pouvait traiter au niveau de l'unité de méthanisation. Donc finalement on s'est rendu compte que la recherche de solutions à nos problèmes pour notre élevage, finalement pouvait apporter également des solutions à des entreprises de notre entourage, aussi bien agricoles que industrielles. Cette réflexion a été faite en groupe. Et cette réflexion a été faite en groupe et surtout à l'initiative donc de la Chambre d'agriculture, puisque les problèmes, on s'est posé des problèmes très tôt, mais finalement les solutions, on ne les avait pas. Et je dois dire que c'est justement ce rapprochement avec la Chambre d'agriculture qui nous a permis de bien cerner le problème et de découvrir un petit peu la méthanisation, comment la méthanisation pouvait apporter des solutions à nos problèmes. Il y a tout un travail qui a été fait de prospection, de visite au niveau d'unités déjà existantes, voir comment, à partir de quels effluents, comment ils fonctionnaient. Et finalement, ce travail donc de prospection montre que finalement il n'y a pas deux unités de méthanisation qui ont la même philosophie de départ, il n'y a pas deux unités de méthanisation qui ont les mêmes produits à méthaniser, il y a autant de systèmes de méthanisation que d'unités de méthanisation. Et donc ces visites permettent justement de prendre une chose chez l'un, une chose chez l'autre. À notre niveau, on a eu quand même une démarche de sensibilisation, alors pas des populations, mais par contre de l'ensemble des élus, de l'ensemble des responsables locaux, aussi bien de toutes les administrations. Toutes les administrations ont été associées très tôt, très en amont du projet. On n'a pas élaboré notre projet et présenté notre projet après aux administrations, on a élaboré notre projet avec les administrations. Finalement, on a construit notre projet ensemble, ce qui fait qu'au moment du permis de construire, ça s'est très bien passé, puisque finalement, les administrations ne découvraient pas notre projet et validaient finalement les conseils qu'ils avaient pu nous apporter au moment de l'élaboration du projet. Donc avec l'entourage administration, élus, ça s'est très bien passé. Là où ça s'est un petit peu moins bien passé, c'est vrai, c'est avec les populations quand elles ont découvert un petit peu ce projet. Mais très tôt, dès qu'on a senti cette problématique, ce besoin justement d'information auprès des populations, j'ai fait le tour moi-même, personnellement, maison par maison, les plus proches, donc récemment une centaine de maisons autour, où j'ai expliqué mon projet, et je dois dire que dans 99% des cas, les gens étaient contents déjà de ma démarche, et puis rassurés sur l'unité qui allait se monter.
Aujourd'hui, l'étude de faisabilité a été faite par la Chambre d'agriculture. Et moi, ce que j'ai apprécié vraiment dans cette étude de faisabilité, c'est que je ressentais la Chambre comme un organisme complètement neutre. C'est-à-dire qu'il était à nos côtés pour nous guider face à un constructeur. Et je dis bien face parce que monter un projet comme ça, c'est vrai que normalement, c'est plus du partenariat, on devrait dire. Mais quand on est face à un constructeur de méthanisation qui nous propose des machines, qui nous propose des installations, qui nous propose des techniques, on n'a pas forcément le recul nécessaire pour pouvoir vraiment décider, débattre. Et je crois que l'accompagnement de la Chambre est important à ce moment-là. Parce que, quand on fait des investissements de plusieurs millions d'euros, il y a quand même une part de responsabilité qui est importante. Et porter seul cette responsabilité, c'est lourd. Si on la porte accompagnée, c'est déjà un petit peu moins lourd.